Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février dernier, il ne se passe pas un jour sans que la santé physique et mentale du président russe, Vladimir Poutine, ne fasse parler. Délire paranoïaque, cancer en phase terminale, maladie de Parkinson, de nombreux diagnostics sont prêtés au chef du Kremlin. Mais souffre-t-il vraiment d'une pathologie ? Selon le quotidien Ouest France, il est possible que Vladimir Poutine soit bien atteint d'une maladie d'ordre psychologique, le syndrome du Bri. Tiré de la notion grecque Zibri, signifiant l'orgueil, la démesure et le désir de vengeance, le syndrome d'Ibri est un désordre narcissique caractérisé par une confiance en soi hypertrophiée, un sens de la manipulation très développé et un sentiment de toute puissance. Dans son livre intitulé The Bri Syndrome, Bush, Blair and the Intoxication of Power, le médecin et ancien ministre des Affaires étrangères, David Owen, fixe à 14 le nombre de symptômes pouvant évoquer un syndrome de Bri. La présence simultanée de 3 ou plus permet de poser le diagnostic. Parmi ces symptômes, narcissisme, arrogance, recherche de la gloire, mépris des autres, mégalomanie. Vladimir Poutine est l'exemple même du syndrome du Bri, aussi appelé maladie du pouvoir. Le syndrome fait perdre à celui qui en souffre tout sens de la réalité. Vladimir Poutine est l'exemple même du syndrome du Bri, indique Jacques Touchon, neuropsychiatre, dans les colonnes de Ouest France. Il souligne toutefois que le syndrome est beaucoup moins répandu qu'il n'y paraît. Dès qu'on n'est pas d'accord avec un politique, on lui attribue ce syndrome. Mais il faut faire attention, il s'applique généralement à des dictateurs. Dans l'histoire, on peut dire que Staline ou encore Lénine en étaient atteints. Et aujourd'hui Vladimir Poutine, donc, mais aussi le dictateur de Corée du Nord Kim Jong-un ou encore le président de Chine Xi Jinping, mais pas les autres. À ce jour, le Kremlin nie tous les diagnostics prêtés à son dirigeant. Loading widget.